Bonjour à tous. Peut-on faire un enfant lorsque l'on est porteur d'un implant pénien? Autrement dit, la mise en place d'un implant pénien préserve-t-elle la fertilité? La mise en place de l'implant pénien est une option que l'on envisage lorsque la qualité des érections est soit trop mauvaise pour avoir un rapport sexuel, soit totalement absente. Dans la majorité des cas dans lesquels se trouvent les patients qui ont besoin d'un implant pénien, la fonction de fabrication des spermatozoïdes ainsi que la fonction d'éjaculation sont des fonctions qui ont été préservées. Dans ce cas, la mise en place d'un implant pénien va permettre à ces patients d'obtenir une érection qui leur permet ensuite d'avoir un rapport sexuel et par la suite l'éjaculation qui contient des spermatozoïdes fera le reste. En revanche, si cette fertilité a été perdue dans le même temps que les érections, la mise en place de l'implant pénien ne fera pas revenir la fertilité perdue. Je pense notamment aux hommes qui sont atteints d'un diabète sévère, évolué, chez qui non seulement les érections ont disparu, mais également l'éjaculation, car l'atteinte des nerfs de l'éjaculation par le diabète provoque alors une éjaculation rétrograde, c'est-à-dire que le sperme remonte de la prostate vers la vessie au lieu de sortir à l'extérieur. Dans ce cas, typiquement, la mise en place de l'implant pénien ne permettra pas de redonner une éjaculation antégrade, une éjaculation qui sortira pendant le rapport sexuel. On pense également aux patients qui sont atteints de troubles neurologiques et qui ont perdu la capacité à éjaculer, ou encore bien sûr aux hommes qui ont subi une prostatectomie radicale pour un cancer de prostate et chez qui la qualité de l'érection fait défaut, mais également chez qui il n'y a plus du tout d'éjaculation. Pensez donc bien à poser ces questions à votre urologue avant la chirurgie de l'implant pénien si vous avez prévu cette opération et si vous avez également des projets de procréation, afin qu'il puisse vous dire si vous pouvez compter sur la simple mise en place de l'implant pénien pour retrouver une fertilité, ou si au contraire, il faut prévoir une prise en charge par une équipe d'aide à la procréation. À bientôt.